Non, non, c'est ta chaîne, tu dis. Si, si. Moi non plus. Il est caché là dans le fond. De toute façon, on voit une partie de ton cul là. Non, on voit. On voit une partie de ton cul là. Bonsoir à toutes et à tous, comment allez-vous? Je vous reprends, il est 22h27, on vient d'arriver il y a 5 minutes. Pourquoi tu reprends, c'est un bloc? Non, je crois, non, je vous reprends. Bah, il vous reprend pas, là. Non, je vous reprends pas, donc salut, au revoir, bah, à l'année prochaine. C'est pas bon, ça, c'est quand tu fais des blocs, tu dis... Mais on s'en fout. Ah là là, tu es fatigué, là. Et il veut faire une vidéo avec moi, mais c'est impossible, c'est pas possible à gérer. C'est pas possible, je suis fatigué, là. Bon, allez, tu te poses déjà là. Là, moi je peux pas comme ça. Allez, pose-toi là. Moi je vais la faire la vidéo. Ah bah non, c'est pas ma chaîne. Vas-y, fais là. Aïe. Bon, on fait dans l'ordre du ticket. Alors, on commence déjà par. La baguette. Une baguette. Et puis on voulait. Elle était chaude. On n'aime pas les prix, hein. Ça sera les. Comme d'habitude. Comme d'habitude. La baguette était très 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 chaude. Sur le côté. Moi je reste assis, j'ai mal aux jambes. Là, 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 ou là, ou là, sous sa tronche. Après, les fraisiers. Fraisiers, 4 045 €. Non, mais tu dis pas les prix, on les mettra. Petit fraisier, on l'avait pris la dernière fois. Très très bon. Oui, d'ailleurs, on s'est toujours de l'ombre. Ouais, on s'est régalé. Non. Franchement, c'est très 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 bon. La Noël, je sais plus ce qu'on a. Non. Ah, la Noël, c'était le fraisier tout court. On en a repris. Donc, on en a repris. Le chocolat liégeois, c'est ça. C'est en promo. Chocolat liégeois en promo. Danette liégeois en promo. Prix choc en promo. Ah, oui, en plus, ça a marqué prix choc. Prix choc. Voilà, au chocolat et chantilly. Ouais, c'est des danettes liégeoises. Bah, ouais. C'est comme ça que ça s'appelle. Danettes liégeois. Après, les chaussons aux pommes. Chaussons aux pommes pour... Alors, vous n'avez pas dit les courses d'où elles venaient, en fait. Vous n'avez pas dit. Le Carrefour... Carrefour Belle Épine. Belle Épine. Côté Thiers Village. Un bébé qui passe. Ah oui, ils ont piqué une mayonnaise. Petit chausson pomme pour demain matin. Il y en a deux. Un pour moi, pour Cécile. Oui, je vais en remanger un. Je vais essayer. Deux chaussons pomme. Ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Ouh là là, ça date. Bon, bah, bah. Après, torsade choco. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pas ton truc là? Ah non, c'est pas choco, c'est. Qu'est-ce que c'est que ça, les torsades chocs? Torsades chocs. Ah, moi, tu m'as donné une pépite, toi. Ah ouais, tu m'as passé, t'as pas pris la bonne. Là, c'était avec les autres, hein, c'était mélangé. Non, c'était au cheddar que je voulais, moi. Et ben, c'est ça que... Eh ben, toi, tu m'as pris au chocolat, je crois. C'est ça que tu m'as pris. Ça, il a fait tellement vite à la prendre. Bon, on s'en fout, tu vas la manger. Bah, du coup, c'était pas ça que je voulais. Mais tu vas la manger quand même. Bah non, parce que je vais pas manger trop de trucs sucrés. Oui, je vais en la manger, mais normalement, c'est pas ça que je voulais. Et là, donc, un truc comme ça. Elles sont trop bonnes au fromage. J'en avais pris une la dernière fois qu'on avait été. Et c'est bizarre parce que... Pourtant, ça sent. Non, non, c'est un chocolat, regarde ça. Ouais, bah c'est pas du tout ça, mais enfin c'est pas grave. Parce qu'il y en a, j'avais même pas vu qu'il y en avait au chocolat. Oh, j'en ai envie d'éteindre, wesh. C'est bien. Excusez-moi. Après, une boîte de thon. Quand on n'a pas envie de faire les vidéos, on les fait pas. Oh là là, en ce moment, lui. Oh là là, en ce moment, elle, hein. Moi, je les fais, les vidéos. Pas toi. Morceau de thon. Avec du thon. Tiens, travaille un peu. La marque Simply. Bah dis donc, elle travaille, c'est moi qui depuis tout à l'heure, elle fait tout ici, là.
Bah, c'est toi, femme de... Attends, le pire de ça, c'est que c'est sa chaîne, c'est pas la mienne. Oui, alors. Là, il y a un panier de chèvres. Et attends. Il y a un panier chèvre et un panier épinard et je sais jambon pas quoi. Jambon fromage, elle a marqué. Mais c'est pas jambon fromage, c'est épinard et c'est plus trop quoi. C'est toi qui les as choisis en plus. J'ai l'impression que ça, leur truc, ça marque n'importe quoi. Deux petits feuilletés pour demain soir. Il y en a un au chèvre. Ce qui est tout blanc là, c'est le chèvre. Et normalement, ça c'est pas. C'est épinard. Elle va marquer jambon fromage. Et non, même pas, c'est même pas ça. Oh, je sais pas, elle a marqué par deux, mais elle a pas précisé le. Je sais pas. Je comprends rien. C'est pas le bon machin. Non, on s'en fiche. Alors après, gap, jambon fromage, voilà. C'est ça? Ah oui, bah ça, ouais, ça, tu vois, ça a rien à voir avec le truc. C'est du gnocchi, ça s'appelle. Elle a fait son truc à la caisse. Gnocchi et jambon fromage. Ouais, ça c'est pour moi. Je voulais ceux qui étaient à la tomate. Monsieur truc. Tomate mozzarella. De toute façon, ça, je les ai trouvés où? À Leclerc, je les avais trouvés. Je les ai pas retrouvés ailleurs, dans aucun autre magasin. Jambon, tomate mozzarella et gnocchi, ils sont trop bons. Après, saucisse cocktail. Bon, j'en avais envie donc. J'aime bien de temps en temps. Saucisse cocktail, cocktail saucisse. Ou même pour mettre dans une recette, elles sont déjà faites. Donc. Je sais plus ce qu'on avait fait la dernière fois avec. Ah, je crois qu'on avait fait une tarte, une sorte de quiche avec. Ouais, je les avais coupées. Ouais, quiche snacky. Ou les laisser entiers, je sais. C'est bon les quiches snacky. Après, cordon bleu. Cordon bleu, la marque, la Simply. Cordon bleu. Alors, je sais pas ce que ça donne, j'ai jamais pris. Enfin. Si, on l'a déjà pris, ça, non? Ceux à Leclerc, la marque Eco, ils sont trop bons. Et franchement, je vous les conseille, les cordons bleus Eco de chez Leclerc. Parce que on a déjà pris d'autres cordons bleus qui sont des marques comme le Gaulois, tout ça. Ils sont bons. Mais ceux de la marque Eco, ils sont tendres. Ils sont bons. J'aime bien. Et ceux-là, je sais pas. Je me rappelle pas si on a déjà ou pas. Après, poulet rôti. Poulet rôti. Pour demain. Pour demain. Enfin, oui, demain. Voilà, c'est marqué dessus comme pour salut. Poulet rôti. Bien croustillant. En plus, ils étaient bien tout chauds. Ouais, ils sont tout froids. Pour ça, on les a mis dans un plastique pour éviter que le jus. C'est le papier qui commence, vous voyez. Le papier commence à. Après, on a pris des paniers Simply, c'est ça, c'est des poissons. Mais autant qu'on n'en a pas mangé. Panier Simply poisson au citron. Autant qu'on n'en a pas mangé, donc je dis à Guillaume, bah tiens, on va en prendre. Après, pâté de campagne. Celui-là. Oui, pâté de campagne, à marque Simply. Pâté de campagne, Martin Simply. Mais qui c'est qu'il a, lui, il se répète. Ah, il a une disquerie. Rôti de porc. Simply, rôti de porc, Simply. Fois 5. Mais je crois que c'est pas les mêmes. On dirait qu'ils sont pas les mêmes que ceux qu'on prend à Intermarché. Bah, ils ont pas le. Parce qu'il est pas fumé. Il est pas. Il n'y a pas le truc d'un. Bah, parce qu'il n'est pas fumé. C'est du rôti de porc normal. T'aurais pris le fumé, t'aurais eu la côte. J'ai pris le moins cher. Oui, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas le truc autre. Mais en plus, je crois que c'est la première fois qu'on les a mangés. C'est le pollen, ça. J'ai bu, si je l'ai déjà pris. On a pris quoi? Du sumol. Ah, mais j'ai mangé, il l'a bu. C'est en canette. Ouais. Je ne savais même pas qu'ils en faisaient en canette. Non, il y avait les bouteilles, mais juste à côté, j'ai dit, bah tiens, regarde, il y en a en canette. On a été voir les trucs du monde là où il y avait Portugal, Espagne. Ah oui, c'était dans le Portugal. Indien, chinois. Bah portugais, Portugal, c'est tout. Portugal. Le dernier c'était Portugal. Ouais, le dernier c'était Portugal. Et le sumol était là-dedans. Donc on a pensé à Olga. Tu savais même pas que ce sumol c'était portugais. On est rentré dans ton monde, Olga. Je pensais que c'était moins souvent comme tous les autres. Le monde du Portugal. Oui, on était chez Olga. Ouais. On était au Portugal, Olga. Coucou, Olga. On t'a piqué une canette de saumon. On a pensé à toi quand on était dans le rayon Portugal.
Après, j'ai pris des sacs poubelles, ça c'est pour la litière. Parce que normalement, on prend ceux de chez Action, mais on n'a pas comme été. Comme en ce moment, bon, ça fait un petit moment qu'on y a pâté. Donc, là, j'ai pris on des sacs pâté. Tout simple pour la litière. 30 litres, c'est bien suffisant pour la litière. Parce qu'on en a marre de griller des grands sacs pour ça, tiens. Ouais. Surtout, ils grillent alors. Non, mais quand je dis griller, c'est-à-dire de plusieurs un sac. Pour... Mais merci, j'ai compris. Non, mais je précise. Pour ceux qui n'auraient pas compris. Oh là là, là. Alors, après, la cité, acheté moi aussi, des piles. Des petites. Et des moyennes. Sérieuse, hein? Ben, j'arrivais pas à l'attraper. J'ai coupé les ongles, j'arrive plus à rien attraper. Rien à attraper. Je savais même pas que les piles simply, c'était simply et simply. Oh là là. C'est compliqué, là. Allez. Et bientôt, tu vas aller faire dodo, t'inquiète. Et son petit frère. Alors non, ça c'est des moyens. Il vous dit même pas. C'est le mec qui est vachement motivé à faire sa vidéo. Mais si, mais ils voient, ils sont pas bêtes les gens, non? Ça, c'est des moyennes et ça, c'est des petites. Vous voyez, il aime pas les réflexions. Hein. Vous avez vu comment il monte le ton derrière? C'est dingue. Comment allez faire, allez, comment le faire enrager? Après, bloc de découpe. Ils sont intelligents, les gens, non? Bloc de découpe. Bloc découpe, c'est ça, bloc découpe. Ils étaient pas chers. Ah oui, donc, c'est pour son scrap. Mon scrap. J'ai dit encore? Bah oui, encore. Pourquoi ils ont déjà pas, ils ont encore, même pas mis de commentaires en disant encore. C'est moi qui dis. Pour ceux qui veulent le dire. Comme ça, je le dis avant eux. Donc c'est que des trucs à pré-découper. Des trucs sympas. Ça va. On verra qu'est-ce que. C'est la première fois que je vois un grand magasin qui a des trucs de comme ça. Ouais. Ouais. Ça va être nouveau, ça. Donc aussi. À Leclerc, on n'a jamais été voir. À Leclerc, t'as jamais été voir les trucs de. Bah non, ça faisait pas encore du scrap là. Non. Pas le scrap. Enfin, non, puis je crois qu'ils en font pas. Parce qu'ils ont tout un stock de magazines, tout ça, ça se trouve, ils ont alors, peut-être. Et dans les livres, à Carrefour, ils ont pas des magazines, tout ça comme à Leclerc. Mais j'ai pas regardé moi. Ben non, mais à Bélépine, peut-être qu'ils ont passé un coin où il n'y a que des magazines et cartes postales. Non, je crois qu'il y a qu'à Carrefour qu'il y a un coin spécial. Il y a un coin où il n'y a que les cartes d'anniversaire, tout ça, les magazines, tout ça. Mais ils font pas tous. Avant, il y en avait. Ouais. Alors après, on a pris des Félix. Je me rappelle, parce que je regardais, quand j'étais seul, je regardais les livres de Raon. Raon, Lucky Luke et. Tintin. Après l'école, on allait à 5-6. Ah oui, mais maintenant ils veulent plus qu'on s'installe pour regarder. On s'asseyait par terre, on prenait 4-5 bouquins, hop, on s'asseyait par terre. Et on faisait. Bah, on était tranquille, on était sage. Je crois que c'est à Cultura, les jeunes ils s'étaient installés. Et ils avaient gueulé les gens. Ils veulent plus même. Donc, Félix. Quoi, c'est Félix, il y en a 12, je crois, dedans. Oui, 12. 12. Au poisson. Au poisson, ouais. Ouais, c'est que au poisson seul. Après, on a pris des pattes. Ils appellent ça des pipes. Des pipes? Moi, j'appelle ça des coudes, mais. Des coudes, ouais, je sais pas pourquoi ils appellent ça des pipes. Alors, c'est pas des pipes, c'est des pipes coudes. Pipes rigates. Ça s'appelle des coudes rigates. Donc, on va appeler ça des coudes, hein. Bah, moi, j'appelle ça des coudes. Hein. Enfin, bon. À Leclerc, ils appellent ça des coudes rigues. Après, j'ai repris une bouteille de coca, mais j'aurais mieux fait d'en prendre deux, comme ça on aurait été tranquille demain, c'est pas grave. Moi, elle en a déjà bu un petit peu. C'était ouais, j'avais soif. J'avais soif, la vieille. Après. Ah, bah, que j'ai... ah oui, c'est vrai, je m'étais pris une canette aussi de. Vas-y, elle l'a bu. Coca sans sucre. Il y a quelques Carrefour qu'on les trouve, les canettes de sans sucre et sans caféine de coca. Mmh. J'ai trouvé. Dans les tous les magasins qu'on a été, on n'a pas trouvé. Il y a quelques Carrefour qu'on trouve. Ou à Carrefour City. Je me suis. Guillaume m'a repris une bouteille. Parce que j'adore ça, moi. Pâté naf. Dans ta naf. J'ai dit, tu en prends qu'une petite parce que je mange plus de charcuterie. Hein. Ouais, en plus, tu l'as dit il y a pas longtemps. Tu ouais, et puis, comme je mange plus de pain non plus. Donc, et bien, pour moi, pâté naf, c'est surtout la baguette bien croustillante, bien fraîche avec du pâté et des cornichons. Elle m'a dit, à pas de heure, elle m'a dit, oh, ça fait longtemps, j'ai pas mangé de naf. Bah oui, c'est normal, j'adore ça. Elle m'a dit, bah si tu veux, je t'en prends. Ah non, mais il n'y a pas de pain. Il dit, non, je alors, mange plus de pain. T'as pas besoin de pain. Je mange plus. Tu peux manger comme ça.
Bah, c'est ce que j'ai dit, je vais la manger comme ça. Non, elle a dit, je vais la manger comme ça. Sinon, il y a du pain de mie. Oui, ou à l'arrivée, j'ai dit, non, oui, j'ai dit peut-être que je me prendrais une petite tranche de pain de mie, c'est tout. Bah, ça va pas te faire grossir le pain de mie. Hein. Ah oui, j'ai pas perdu 15 kilos pour rien. Hein. J'ai pas envie de les reprendre. Tu vas prendre quoi? Même pas 10 grammes. Linge. Des lingettes démaquillantes que j'ai repris. Ah, Emeline, coucou Emeline. Pas moyen de trouver tes lingettes que tu m'as envoyées. Emeline de la chaîne. Emeline d'ailleurs, un petit quotidien. Elle m'a offert des lingettes quand elles avaient envoyé le colis. De chez Carrefour. Elles sont super bien ces lingettes au micellaire là. Donc j'ai envoyé un message à Emeline sur les réseaux où je peux la joindre. Et elle m'a dit, écoute, si quand je vais la retourner à Carrefour, je vais regarder. Elle me répond, elle me dit, bah, écoute, j'y suis allée, pas moyen de la retrouver. Ok. Je dis, écoute, c'est pas grave, quand moi j'irai, je regarde. Et ben, ça fait deux fois que je vais à Carrefour, je ne la trouve pas. Donc par contre, j'ai pris ceux-là, ça va. Mais je préfère quand même les autres. Hein. Elles étaient à base d'aloe vera et franchement, très bien. Voilà. Boîte de mouchoirs, il n'était pas une raison pour les jeter. J'ai pas jeté, j'ai laissé tomber. J'ai pris la moins chère. J'ai pris la moins chère de la marque Simplé, mouchoir Simplé. Des mouchoirs dans la boîte à volonté, là, il va plus en avoir. Il m'a dit, ah, oh, ça coûte pas très cher une boîte de mouchoirs. Et ben voilà. Il y a 150 dedans. C'est la marque, devinez. Simplé. Tada. J'ai cherché. Hein. J'ai vu après. Allez, Simplé. J'ai repris mon shampoing parce que j'en ai plus. L'après shampoing, j'en ai encore, mais j'en ai plus. J'ai les mains qui sont plus l'eau de Javel. Ah ouais, c'est normal. De la marque Garnier, ultra doux Garnier. Qu'est-ce que c'est? J'avais quoi, mon bébé? Qu'est-ce que t'es fait? Qu'est-ce que t'es fait? Il est pas dans le vide, devant. Il est bien se mettre comme ça. Après, j'ai repris des hauts parce que le Narta, j'en revenais pas du prix chez Carrefour. Ouais, plus cher que. Plus cher qu'à Intermarché, plus cher qu'à Aldi, plus cher qu'à Carrefour City, plus cher qu'à Monoprix, parce que je peux vous dire que même à Franprix, il n'est pas ce prix-là. Pourtant, c'est un Carrefour. Hein. Presque 4 euros le Nartin. Ouais. Donc, elle s'est abattue sur Soft. Bah, la marque Carrefour. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Soft, la marque Carrefour. Cologne, 24 c'est heures. C'est la même senteur que le Nartin, mais c'est pas Nartin, c'est tout. Ça ressemble à du Nartin, mais ce n'est pas du Nartin. C'est un faux Nartin. Mais quand je vais aller chez Aldi, je vais prendre mon Nartin. Du Nartin, voilà. Et j'ai pas. Ah, là, je suis content, j'ai trouvé mon papier toilette. Parce qu'il y a Intermarché, je sais pas ce qu'ils ont avec les papiers de pub, mais. Ça s'appelle du Lotus. Ouais. Alors, reconnaît, parce que ça. Et encore, quand j'arrive à Carrefour dans le rayon papier toilette, je sais pas, il y a un problème avec le papier toilette. Hein. Je sais pas si vous avez ce problème-là. Mais les rayons papier toilette, il n'y a plus rien. Il y avait un monsieur avec moi, c'est pareil, il cherchait son papier qu'il prend d'habitude. Et il me dit, mais il y a plus. Bah, vous êtes comme moi, je ne trouve pas non plus mon papier de toilette. Ah bah non, il avait mis tout au fond, il est caché derrière d'autres Lotus. C'est pas les mêmes encore. D'accord. Alors ça, je sais pas par contre. Ah, elle est là. Il était là sur le ticket. Et j'ai repris des petites friandises pour les bébés. Ceux-là parce qu'ils aiment bien le parfum océan. Parfum océan, partie Félix Océan. Océan. Voilà, et sur ma carte, bah, je sais rien. Non, il n'y a rien. Enfin, si, j'ai une petite cagnotte depuis l'autre fois. Mais là, ça n'a pas. Bon, rien, c'est spécial. Donc, ça, c'est Carrefour, donc on va mettre le ticket de côté. Et on a été. KFC, donc on a. J'ai récupéré. Qui est maintenant. J'ai été. Qui est maintenant, ça va, elle est plus froide. Perrier. Moi, ma boisson, je l'ai bu. C'était un petit. Tropico orange. Parce qu'il y avait autrement. Il y avait qui était un petit peu plus petit, mais. Bon, il y avait ananas aussi, mais la plus orange. Et on s'est pris des sandwichs des pour. Des sandwichs Ah, bah, ça sera pas pour demain soir, du coup. Il y a plus pour demain soir. Ah, bah, alors, poulet, c'est pas pour demain. Donc, ça sera pour. Donc, ça, il y avait plein de nouveaux magasins d'alimentation là-bas, et l'épine. Y compris toutes sortes de sandwichs là. Sandwich indien, sandwich mexicain, sandwich tacos, sandwich style un peu grec. Il y avait tikken, c'est indien.
Tika, c'est indien. Il y avait Ocheda. Et Ocheda aussi, ouais. Ocheda et poulet, j'ai hésité. Elle a hésité, ouais. Entre le mien et celui-là et l'autre. J'ai même plus ce que j'ai pris, moi d'ailleurs. Donc le magasin s'appelle Mocha. Ouais, ça fait penser au café. Ça fait côté, il y a café ou il y a les pub. Les gâteaux Mocha. Je suis un peu de pub pour ce magasin. Ils font du. Ah oui, ah oui, d'accord. Café. Ils font café, cake et jus. Mais par quoi ils font les sandwichs. Et ils faisaient des sandwichs et. Ils font pas que ça. Ils font aussi les donuts. Les donuts, toutes sortes de donuts. Oh, il y a des donuts. À la fraise, au chocolat, la vanille. Donuts Kinder Bueno avec du coco. Ah, comment ils étaient bons. Et il y avait des gaufres aussi, un des bon petit sandwich. Ah. Ah, c'est bien celui-là, je crois. Donc, faire réchauffer demain. Ça, c'est poulet. C'est quoi celui-là? C'est bien. Poulet et cheddar, je crois. Non, je n'ai pas pris poulet et cheddar, justement. Ah non, c'est les tenders. Tender cheddar. Je vais vous demander ce que c'était les tenders justement. Oui, bonjour. Tiens, je vais regarder. Et elle m'a dit, je dis c'est comme les nuggets. Comme du, D'accord. Non, la fille, la tronche qu'elle a fait quand je lui dis c'est comme les nuggets. Hein. Attends bébé, t'es dans la once. Et moi je me suis pris la mexicano. Hum, ça sent bon le Mexique. Ah oui, il y avait kebab aussi. Ça sent bon le Mexique. Il y avait kebab aussi. Oui, mais c'est qu'est-ce que j'ai dit, merci. En fait, il est dur la pomme. Ouais, mais quand on va le réchauffer demain, il va. Ah, c'est de la baguette. Il va s'amoulir. Il va s'amoulir. Déjà, la dernière fois qu'on y avait été, on devait le prendre, et du coup, j'ai dit, non, on va pas retourner là-bas. Ah oui, mais je lui dis, tout, on prend la dernière fois. Je lui dis, attends, on va d'abord aller faire ce qu'on a à faire, et puis après, on reviendra. Et quand on avait fini, je lui dis, bah, on y retourne. Oh non. Bah oui, c'était trop lent, on était à Pétacouchnot. Bébé, tu vas tomber. Non, mais c'est pas triste. Ah oui, c'est qu'il a mis encore la tête dans la hanse. Non, mais là, s'il tombe, il se fait mal, là. Donc, du coup, voilà, on a pris les deux là, et ça sera pour demain. Voilà, pour demain. Pour demain soir. Avec une petite salade. Moi, que des chips. À l'archabode. Ouais, une salade. Ça ira très, très bien. Donc, on va le remettre quand même. Non, on va le mettre dans un plastique machin, là. Donc, voilà. C'est guigné. Aïe! Ah oui, mais pas, moi j'ai mis ma main aussi, c'est pareil. Voilà, ça t'amuse? Ah oui, ça l'amuse. Pas quoi? Bien sûr que ça m'amuse, papa, je m'amuse moi. Non. Vous avez vu comment il est? Regardez non, comment il est. Et encore des papates que ça. J'ai vu après, il se fait comme ça. Il met les. Il se laisse tomber les papates. Voilà. C'est trop vrai, mais ses pattes comme ça dans le vide. Ah, puis ce matin, il m'a fait un coup bizarre. J'ai voulu faire un câlin à Cici, je mets ma main comme ça sur ses hanches. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Pouah! Avec sa patte, il me donne un grand coup de patte sur la main. Je fais aïe! En plus, il avait sorti ses griffes. Tout ça, parce que monsieur, il ne voulait pas que je fasse un câlin à maman. Touche pas maman. Hein, c'est genre, touche pas ma maman. C'est moi, il n'y a que moi qui a le droit de toucher à ma maman. C'est la première fois qu'il fait ça, par contre. Ouais. Ah, la gifle qui m'a mis. Tu es bien, mon bébé, tu défends ta maman, tu es bien, mon gosse. Oui, mon bébé. C'est la première fois qu'il me fait ça. Ah, oui. Alors qu'au début, il est toujours câlin et tout. Dis bisous, mais là, touche pas à ma mère. Ah, comment il a fait ce matin. Alors, on a trop rigolé après. Pas maman. Tu pas maman. Laisse maman tranquille faire de dos. Je te donne ça, non? Tu peux peut-être le garder. Ouais, ou... Non, le pâté neuf, c'est pas. Non, bah non, parce que. Non, le pâté neuf. Les gnocchis. Les gnocchis. Non. Ah oui, le chef. Ça part. Ça part. Ça, le coca, hop, on met là. Voilà. Ça va là. Ça va dans la chambre. Ça va dans les chiottes. Ça va là-bas. Ça va là-bas. Rien dans le frigo. Ah, t'as encore ton truc. Ah, ça va. Les pâtes.
Hop, salle de bain, salle de bain, salle de bain. Ça s'avance, s'ouvre, les piles sur le bureau. Ça, hop. Mais pas de salle en haut, moi je peux pas les mettre. Voilà. Neuf. Donc là, il n'y a plus rien qui est dans le feu. Oh. Ça va là. Hop, normal. Hop, mon bébé. Mais dans une boîte, les paquets. Ça, tu mets là avec. Oui, mais là, en dessous, la table là, quand. Ça, pensez à le mettre dans ton. Ah oui, dans mon sac, je vais l'oublier. Tiens, là, parce que t'es là-bas. Oui, mais plus. Mais plus du coffre-fort. Je suis pas dans la merde. Oh mon bébé d'amour, le cucu, oh le cucu. Ça, salle de bain. Ça, c'est ça. Non, ça, toilette. Salle de bain. On range. On range après, on se casse. Voilà. Ça remplit bien le pot quand même. Un petit 200 grammes de plus aurait été. Hop. Voilà, ça là-bas, ça là-bas, ça en dessous. Oui, il fait encore frais ce soir, on sent les appartements. Hop. Sont les appartements qui font frais. Ça, ce sera pour les produits finis du coup. Là, c'est pas une recette derrière. Là, il y a des recettes. Non, il n'y a pas de recette. Hop, voilà. Ça, les sauces. On a récupéré les sauces du machin de McDo. Il a trouvé une grosse boîte aux grosses poubelles. Enfin, c'est je vous les montrerai demain. C'est moi qui ai vu la grosse boîte. C'est les grosses boîtes qu'on trouve à Action là. Oui, les grands blettes, les grandes boîtes en plastique, grands comme ça. Au rangement. Grandes comme ça, de la table comme ça, vachement plus grand. Et on a regardé le prix à Belle Épine, 23,90€. Et sauf que. Ils l'ont jeté parce qu'il n'y avait pas, il n'y avait plus de couvercle. Voilà. Alors lui, mais il n'avait pas vu, je lui dis, bah tiens, regarde la grande boîte. Oui, mais ça se voit. Elle est cassée, ouais. Souvent ils sont cassés en dessous. Bah regarde. Je dis même, ouais, mais il n'y a pas de couvercle. Je dis, bah, c'est pas grave, ça, on mettra un truc dessus. C'est pour mettre les trucs de Noël. De Noël. Enfin, peut-être pas tout, mais ranger une partie quand même. Bah, si, parce qu'il reste pas grand-chose. Hein. Donc, voilà. Donc, je dis, c'est pas grave, on mettra un truc dessus pour éviter que ça soit abîmé. Oui, après ouais. Donc, du coup. Du coup, je suis remonté avec le truc. Et il y avait des cartons, puis un petit peu de terre dedans. Donc, j'ai bien rincé. J'ai mis de l'eau dedans. Ah oui, là, et je l'ai spargé un petit peu partout. Donc, là, on saura demain parce qu'il est en train de prendre. De l'eau de Javel. Et j'ai rempli un petit peu d'eau. À peu près comme ça. Là. Et j'ai foutu l'eau de Javel. Comme ça, moi, je vais la laisser toute machinée toute la nuit. Comme ça, demain matin, quand je me leverai, bah, je dirais. J'irai la nettoyer. Ben, tout simplement, ils l'ont jeté parce qu'il devait plus avoir le couvercle ou le couvercle. Soit ils l'ont cassé ou soit ils l'ont perdu. Et souvent, ça part à la poubelle. Quoi. On a essayé de voir si on trouvait à la rigueur le couvercle, mais je ne l'ai pas trouvé. Ouais. Du coup, j'ai récupéré le truc. Comme ça faisait un bon petit moment qu'on voulait une boîte comme ça en plastique, justement pour ranger les trucs de Noël, comme ça, bah. Voilà, on l'a eu gratuit. Ça tombe bien parce qu'en plus c'est une grosse en plus. Ouais, en plus c'est une grande, ouais. Après, s'il n'y a pas de couvert, c'est pas grave, je m'en fiche. Non, on mettra un sac poubelle. Oui, un grand sac poubelle par-dessus. De base, les trucs de Noël sont déjà dans des sacs, sont déjà enveloppés. Donc voilà, c'est juste pour bien les ranger, bien tout de Noël, tous ensemble.
Comme ça évite à chaque fois de monter sac par sac. Quand au moment de Noël, bah, Cécile là, viendra avec moi à la cave monter le truc. Et pour redescendre, pareil. En plus, elle a la roulette. Et en plus de ça, elle a la roulette. Elle n'est pas esquintée du tout, non. Le truc, hein, le compartiment. Je pense qu'ils ont dû l'acheter, soit parce qu'ils n'en voulaient plus, ou alors parce peut-être. Le couvercle, je sais pas. Ouais, bien souvent, c'est ça. Ou alors, ils ont pris le couvercle pour autre chose, peut-être. Les gens, des fois, les gens, ils jettent n'importe quoi. Après, elle n'a pas été fouillée non plus jusqu'au bout, parce qu'il y avait derrière la... Là, il y a une ribambelle de trucs aux encombrants. Les gens, ils jettent n'importe quoi. Si ça se trouve, le couvercle, il est peut-être plus au fond, je sais pas. Ouais, mais s'il est cassé, ça sert à rien. Puis comme ils en vendent pas, ils vendent pas des couvercles. C'est ça qui est con, ils vendent pas les parce couvercles qu'à là-bas. on en a vu justement des boîtes comme ça. Il y avait les couvercles, mais je pense qu'ils les vendent pas à part. Je sais pas, faudrait que tu regardes tous tes meubles, c'est qu'ils les vendaient pas. Je sais pas. Ah, mais ça rentrera pas dans la boîte à lettres. Hein. À moins qu'ils soient en kit, le bordel. Bah après, t'as des couvercles, t'as vu, qui se plient en deux là. On oui, a vu mais l'autre même, truc. Ça rentre pas dans la boîte à lettres. Bah non, bah on ira la chercher à la poste, hein. C'est tout. Ça sera en kit comme un portefeuille. Il montera le gars, oh, c'est bon là aussi. Hein. Bah ouais, c'est bon, y va. Hein. Merde alors. Ah, ils montent plus eux non plus là. Hein. Ah, puis on avait soif en plus. On avait bu, mais on avait encore soif. En ce moment, on a la bouche pâteuse. Quitte-toi. On a plus de. Oui, mais moi c'est normal, qu'est-ce que j'ai là encore, c'est normal que moi, ça, pas pâteuse, mais tu sais, toute sèche, plus de salive, plus rien du tout. On... Moi, à cause de ma dent du bas, là, enfin le truc que j'ai, ça... Ça m'était arrêté, ça, et là, ça fait 2-3 jours, ça recommence. Mais si j'en ai pour 2 mois, ça, donc je vais attendre fin juin. Je me réveille dans la nuit, j'ai la bouche tout... Si fin juin, moi j'ai toujours ce problème-là, je vais prendre... Elle est même, la porte, elle est tellement plus mouillée qu'elle est collante. Ah ouais, en plus, on a, aujourd'hui, là... Ça s'est rafraîchi depuis hier, il fait pas chaud dans les appartements. Les gens te voient pas, putain. Dans les appartements, il fait froid, là, je sais pas vous, mais on est à 2 doigts. Moi, je vais pas le remettre, le chauffage, mais c'est presque on a deux doigts hein. De se dire, on va le remettre, tiens, mais moi, je le remettrai pas, parce qu'on est en juin, quand même, faut pas déconner. Oui, puis quand tu remets, tu repayes. Et hier, il a plu, vous avez 3-4 jours qu'il pleut comme ça, nous. Là, aujourd'hui, c'est pareil, rebelote, il a plu aussi un peu. Mais frais aujourd'hui, rebelote avec la doudoune. J'ai agum, je vais quand même pas mettre ma doudoune. Bah, tout le monde, beaucoup, ils étaient avec leur doudoune. Eh ben, hein. Figurez-vous, j'ai mis un pull et la doudoune. Eh ben, j'ai ça allait. Même j'avais peur dans le centre commercial d'avoir trop chaud. À un moment, j'ai eu un peu chaud. Je te l'ai dit, j'ai chaud. Mais en fin de compte, non, ça a été très bien. Et là, je rentre, j'ai pas le champ qui fait froid dans l'appartement. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui étaient habillés avec des manteaux chauds. Ah ouais, c'est reparti, les gens ils remettent les doudounes et tout. Ils n'étaient pas, à part ceux qui s'y prennent pour des jeunes. J'ai là. Vu, il y a les doudounes, les pulls, les bottes, tout. Et après, ils vont pleurer qu'ils attrapent le Covid ou sont enrhumés. Ah ouais, faut pas se découvrir, hein, il fait pas assez chaud. Parce que là, ça va remonter un petit peu, mais ça va pas être non plus mirobolant. Ouais, c'est les jeunes de maintenant. C'est pas les grosses températures qui vont arriver. Et puis en plus, ils annoncent de la flotte encore. Nous, normalement, on n'aura pas d'heure de pluie aujourd'hui. J'avais vu sur mon téléphone, pas de pluie. Il a plu toute la journée. Ben, il a plu. C'est inadmissible. Alors, je sais pas. Je ne plus rien dans la météo. Bah, de toute façon, même eux, ils savent plus. Ils sont perdus, les pauvres. Une fois, le téléphone disait. Non, il disait, lui, c'est le monsieur. C'est approximatif ce que je vous dis. Je dis d'accord. Nous, ça fait, on dit que ça fait yo-yo, mais lui, il yo-yo aussi sur la météo. Là. Enfin, voilà. Et du coup, on avait un petit peu faim, donc du coup, on a mangé. Bah, KFC. Mais de toute façon, il vous a fait la vidéo, je crois. Yo. Oui, j'ai fait la vidéo. Elle sera mise dans l'enveloppe, je pense. Non, parce que j'ai fait une grande vidéo. Ah, bah non, ce sera pas dans l'enveloppe alors. Ouais, ça sera une vidéo à part. Vous n'aurez pas de chance. Ce sera une vidéo à part. Moi, je vous le dis, à part moi. Moi, je vous le dis. On est allé au flunch, normalement. Oui, mais on a calculé. En fin de compte, on a payé moins cher au KFC. Non, puis même le temps de faire les courses. Parce que, en fin de compte, je pensais que le flunch finissait plus tôt. Il ferme à 21h. 21h30. Et il y avait du monde en plus. Hein. Ouais. Quand on est passé. Mais le temps d'aller faire les courses et tout, je me suis dit, ça se trouve, on va arriver, il n'y aura plus rien.
Une fois arrivé l'après-midi, il n'y avait plus rien. Donc ils avaient tout, ils doivent remettre. Bah oui, ils ferment à 21h. Et moi, l'autre fois, quand j'ai vu qu'il n'y avait plus rien, je me suis dit, bon, ils ferment de bonne heure. 18h par là. Et ben non, en fin de compte, ils ferment à 18h, à 21h30. Et même le dimanche, hein, ouais, les jours fériés. Ouais, ouais. Enfin, en tout cas, celui de Belle Épine. Après les autres, je ne sais pas. Celui de Belle Épine, oui. On en a un autre aussi à. Un Créteil. Créteil Soleil. Et j'avais fait attention, celui-là, c'était ouvert. Je vais aller voir sur internet. Parce qu'en fait, on est un peu plus près pour nous, celui de. Si on va aller manger juste aux flèches, pas faire un tour, c'est un peu plus près. Parce que de toute façon, Créteil Soleil, maintenant, on y a été la dernière fois et on est déçus. Hein. Bon. Mmh. Créteil Soleil. C'est plus du tout ce que c'était. Hein. C'est vide, on dirait. Mmh. On dirait qu'ils ont enlevé des magasins, je sais pas. Ça fait plus pareil. Il fait vide comme centre commercial. Mmh. Alors là, à Belle Épine, on est monté au. Deuxième étage, parce que j'ai dit, mais c'est quoi là-haut? J'avais jamais remarqué qu'il y avait encore un étage, moi. Ben, il me dit, je crois que c'est d'autres restaurants. Et ben, je dis, bah viens, on va y aller. Et oui, il y a d'autres restaurants, mais il y a des magasins aussi là-haut. J'ai vu, il y avait Lévis et tout. Oui. Ça, j'ai vu. Oui. J'ai vu. Bah, je discute puisque toi tu parles pas. Alors, mais cherchez un truc, merci, au revoir. C'est ta chaîne, mais c'est moi qui parle. Bah oui. Ah, mais faut... Je te paye, non? C'est pour ça, ah, bah justement. Je lui ai dit, quand t'es... comme là, je fais la vidéo avec toi, ça va être, tu vois. 10-toi ou 90-moi. Quoi? 10% moi 90. Ça va, ça va. Ah bah écoute, franchement les abonnés, vous êtes pas d'accord avec moi, il y a que moi qui parle depuis tout à l'heure. Bah parce que t'as des choses à dire. L'autre il ronfle là dans son coin là-bas. J'ai fatigué. Il se montre pas hein, parce qu'il est là. J'ai travaillé moi. Ah, il a rien fait aujourd'hui. J'ai un métier moi. Donc, je te laisse parler hein, maintenant. Mais j'ai rien à dire. Ah bah voilà, il a rien à dire. Si, pour le truc de machin. Ah, ah oui, pour TF1, là, parce qu'il y a des abonnés qui ont dit on n'a pas vu Guigui au JT de 20h sur TF1. C'est passé quand ça s'est passé? Vendredi dernier. Donc, le JT, si vous voulez me voir à la télé. Il y en a plein que j'ai répondu, mais. Pour tout le monde, ouvrez bien vos oreilles. C'est le vendredi 24 au soir. C'est le flash. Enfin, flash. C'est le journal de 20h sur la première. Mais après, faut avoir accédé au truc de TF1 parce que. En replay. Faut s'ouvrir un compte et tout. Mais bon, à mon avis, il y en a qui ne vont pas le faire. Ils vont dire, ouais, c'est pour regarder juste 5 minutes, ça ne sert à rien. Donc voilà. Donc moi, j'ai mis. Je vous ai fait une petite vidéo. Ça s'appelle Flash Info. Il est là. Sur sa chaîne. Sur ma chaîne. C'est marqué Flash Info. Et vous allez me voir. Parce que moi, quand j'ai enregistré à la télé, parce que moi, je me suis ouvert mon compte à MyTF1 Plus. Et du coup, ça m'a permis d'accès directement au journal de 20h. Et j'ai enregistré le truc. Mais le problème, c'est que TF1, ils ont voulu me supprimer la vidéo parce que. Non, il avait bloqué dans certains pays la vidéo. Pour les trucs d'auteur. Oui, mais TF1 voulait me retirer la vidéo. Oui. Parce que moi j'avais tout enregistré pour faire comprendre aux gens pourquoi j'étais interviewé. Et du coup, c'était sur les acomptes pour les Français. Mmh. Voilà, c'est le flash info, c'était au sujet de ça. Donc je vous ai mis sur ma chaîne la vidéo et sur les shorts. En short. Sur les shorts, je suis là aussi. En short, je suis là aussi. Que je vous l'ai mise aussi. Il n'est pas en short. Hein, voilà, je suis en short. Et j'étais en short. Il est en Bermuda. Donc voilà pour les gens qui qui n'ont pas pu le voir. Donc vous l'avez sur YouTube. En vidéo sur sa chaîne et en short. Et ceux qui ont Facebook, il l'a mis aussi sur son Facebook. Sur Facebook et Instagram. Instagram. TikTok, je sais pas. D'après, il faut chercher. Si, TikTok, si, je l'ai mis sur TikTok aussi.
Ah bah les gens n'ont pas parlé de TikTok en commentaire. J'ai mis en short et en TikTok. Je t'ai pas vu sur TikTok moi. Je t'ai dit j'ai fait sur TikTok. Enfin ça c'est pour ceux qui l'ont pas vu ou qui demandent, parce qu'il y en a beaucoup qui demandent, qui disent ah bah j'ai loupé Guigui sur le journal TF1. Voilà. Ou je l'ai pas vu. Mais, donc voilà. J'ai répondu à plusieurs en disant Guillaume a mis une vidéo sur sa chaîne pour le voir. Voilà, ça s'appelle Flash Info. Donc c'était vendredi dernier ça. Oui, le 24. Voilà. Bah oui, on est le 1er juin. Non, c'était même pas. Si, vendredi dernier. Si, ça fait une semaine. Bah, ça fait 7 jours. Ça fait une semaine. Il marque 7 jours. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu. Donc vous allez soit voir au niveau des shorts ou vidéos. YouTube, ou alors en replay sur TF1. Dans le truc de info, dans les infos. Le JT de 20h, voilà. Ça s'appelle. C'est du vrai, comme je l'ai fait, j'avais tout enregistré. C'était mis sur certains pays, mais pas partout. Ouais, ils avaient... Dans beaucoup de pays, ça passait pas. Ils avaient bloqué la vidéo pour les droits d'auteur, c'est-à-dire pour le truc de TF1. Donc j'ai dit, bah, on va faire autrement. Donc j'ai dit à Guillaume, on va prendre juste la partie, voilà, moi, où je tu suis. Seulement. Et apparemment, je l'ai mis après sur YouTube. Et apparemment, ça a fonctionné. Pas de problème. Ils n'ont pas à couper ni quoi que ce soit. Il y a un monsieur un petit peu vite fait. Oui, vers la fin. Il est coupé lui. Oui. Mais on voit pas je l'ai coupé en deux. On voit pas comme il avait tout mis entièrement. Donc, ça c'est pareil, le monsieur il a eu la même question que moi. Quoi. C'est ça qui devait pas plaire à TF1, c'est qu'il avait tout mis. Ouais. Enfin, pas tout le journal, hein, mais juste la partie. Juste la partie où j'étais interviewé. C'est interview JT 20h. Voilà. Voilà, mes amis. Sur ce, on va vous laisser, parce que moi je suis très fatigué, j'ai travaillé aujourd'hui. C'est pas vrai. J'ai eu un métier très très dur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et puis, ouais. Et puis c'est pas vrai. Puis voilà. Donc moi je vais aller me coucher. Je vais peut-être me revoir un autre café. Et à l'archabat. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Donc n'oubliez pas de liker, partager. J'ai sonné la petite cloche, je vais vous abonner. Et nous, on se retrouve pour des nouvelles aventures de course. Normalement, là, on ne devrait pas refaire de course pendant peut-être une semaine. Si, peut-être la viande, parce que. On verra. En viande. Selon que s'il va rester. On n'a pas trouvé en viande. Sinon, autrement, on fera pas de course pendant une semaine. Ah, parce que moi, je vais mettre une vidéo sur ma chaîne là aussi. De course. Après, si on fait des courses, c'est vraiment. Sinon, on va tester le site. Ah oui, pique-nique. Pique-nique. Ce qui livre. Et en plus, apparemment, les produits sont pas du tout chers. Ils livrent et puis ils font. Et ils font pas mal de trucs. Et ils ont des produits que nous on prend ailleurs que eux ils ont. Comme le coca sans sucre, sans caféine, ni long. Ouais, ils ont pas mal de choses. Ils ont pas mal de trucs que nous on prend habituellement. Et ils livrent chez nous. Et long, et c'est livré, c'est gratuit. C'est livre. Ouais, la livraison est gratuite et ils livrent chez nous. Voilà. Et en plus, ils nous offrent deux cadeaux chaque commande. Voilà, 3000 euros à chaque fois. Non, des produits. Ils nous mettent des produits et on choisit ce qu'on veut en cadeau. Donc, on va tester pique-nique. Pique-nique. Ouais. Voilà, ça évitera à chaque fois de bouger, surtout de porter, surtout de prendre les transports, parce que ça commence sérieusement à me saouler. Et voilà, comme ça sera livré en bas. Quitte à aller à descendre en bas, leur donner un coup de main, ça y a possible. Ça pose pas de problème, je m'en fiche, j'irai descendre chercher les sacs, mais au moins voilà, comme ça on sera tranquille, même pour 50 euros, 100 euros, on avait calculé pour 100 minimum 50 125, euros 125 on avait 125 125 quoi, euros, et on avait presque 60 produits alimentaires. Quand je dis mon alimentaire, c'est mélangé, hein. La boisson, les gâteaux, le café, voilà. Les légumes, yaourt. Voilà, il est presque pas très loin, c'était entre 58 et 59 articles. Je sais plus, on avait mis la viande. Donc c'est déjà pas mal. Oui, on avait tout mis, de la viande, du pâté, du jambon, des saucisses. On avait tout. C'était un essai qu'on avait. Voilà. On avait essayé pour voir, grosso modo, combien on pourrait avoir. Et c'est à peu près pareil que le clair, donc voilà. À part que le clair, tu y vas. Tu portes, tandis que là, bah, tu portes pas et tu voyages pas, tu restes à la maison tranquille. Audrey, famille en folie, qui avait commandé chez eux déjà. Ouais.
Plusieurs fois, enfin je crois plusieurs fois, mais là je sais pas, je crois qu'il commande plus. Et je crois qu'il y a que les sacs, je crois qu'il faut leur redonner. Oui. À la prochaine commande, je crois, il me semble. Parce qu'en fait, elle avait dit, je crois que les sacs, il faut les redonner à la prochaine commande. Ouais, faut les garder. Les livres, la prochaine commande. Même les trucs de les œufs, je crois aussi. Je sais plus. Quand ils viennent vous livrer une autre commande, vous leur donnez les sacs, ils vous en donnent d'autres, mais eux, ils reprennent leurs sacs. Voilà. Parce que c'est des sacs, je crois. Enfin, je sais plus. Je sais pas s'ils font toujours ça, mais en tout cas, je me rappelle qu'avec Audrey, c'était comme ça. Mais elle fait plus Audrey, je sais pas. Donc on avait calculé ça avec notre abonné, et puis voilà, on va tester. On va essayer. Donc ce soir, cette fois-ci... on va vous laisser. Et on vous fait des gros bisous, et on vous dit bonne nuit, et sortez couverts. Bonne soirée.